The rain is on the window, the lights are in the sky. My dear, we have to leave before the floor is where we lie. Bon, salut à toutes et à tous, c'est Voltor 63. On se retrouve pour un petit vlog, ça faisait super longtemps. Un petit vlog en solo, hein, pas de dual vlog aujourd'hui. Du coup, je monte un petit peu la brelle. Ouh, pas mal, pas mal. Donc vous êtes nombreux à me demander, mais il y a ton description. Toutes mes équipements, tout ça, c'est ton description. Et si vous l'avez la flemme, et ben c'est un 250 UXC de 2012 avec des plastiques de 2015. Je sais pas pourquoi j'ai embrayé, j'étais au point mort. Bon, ma foi. Alors pour ceux qui connaissent pas les vlogs quand je suis solo, c'est du tranquillou, on est là pour parler. Alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui, on va parler un petit peu, c'est un sujet qui a fait pas mal débat dans une de mes vidéos. La vidéo, je vous la mettrai en fiche en haut là-haut. Alors c'est sûr, en fait, tout simplement les ficelles qui sont tendues dans les chemins. Alors dans la vidéo vous aurez pu voir, il n'y a pas qu'une ficelle. En fait sur cette balade, je l'ai divisé en deux vidéos la balade. La première partie c'était la vidéo d'avant il me semble, bref, enfin bon. Et sur cette sortie on avait croisé trois fils ou câbles barbelés au milieu d'un chemin, des chemins du coup. Et c'est vrai que ça m'avait assez marqué, le purée, enfin, trois en une sortie quoi. Même s'il y en a qui étaient visibles, c'est vrai que il suffit qu'on arrive un peu vite et on peut facilement se faire avoir. Donc on va parler un petit peu de ça. Déjà, moi j'aimerais classer les câbles dans deux catégories. Alors il y a les petites ficelles, hein. D'ailleurs vous remarquez que le titre de la vidéo c'est une ficelle et non un câble. Ça va parce que c'était bien une ficelle, hein. C'était pas quelque chose de dangereux jusqu'à non plus nous tuer entre guillemets, même si ça peut causer des dégâts, hein, ça nous chope à la tête, je pense que ça doit nous arrêter, hein, entre nous. Donc il y a les ficelles et puis après les câbles, les barbelés, en fait tout ce qui est plus costaud, métallique. Les plus dangereux bien évidemment c'est les métalliques, parce que d'une part ça vous arrête, la ficelle ça peut vous arrêter entre guillemets, si elle ne rompt pas. Et de plus les barbelés, justement là, même si vous êtes doucement, il y a moyen que ce soit très 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 dangereux. Alors je parle pas des risques de tétanos entre autres, hein, mais tout simplement à la gorge, je sais pas si vous savez, on a une... putain ça glisse, un truc de fou. On a une veine, enfin une artère plutôt. Donc dans les films quand vous voyez quelqu'un qui se fait couper à la gorge et que ça gicle, tout simplement c'est cette artère là qui est sectionnée. Je crois que c'est une artère les plus importantes, enfin ceux qui s'y connaissent me diront. Mais c'est quelque chose de vraiment dangereux, il suffit que hop, un petit trou et en fait la pression elle est énorme. C'est quelque chose de fou. Et vous y restez, hein. Même pas le temps de sortir le portable que je crois que vous êtes à moitié vidé de votre sang. Donc c'est vrai que c'est assez dangereux. Après je voudrais dissocier aussi les ficelles pour les vaches, donc comme ça peut être le cas dans ma vidéo, qui peuvent néanmoins être dangereuses. Des ficelles comme on dit intentionnelles, donc plus les barbelés notamment, et les câbles qui sont tendus volontairement, alors que ce soit on va dire, alors là c'est, je vais dire par exemple les chasseurs, mais si vous êtes chasseur, dites pas que je dis pas que vous mettez des câbles, hein. Je dis pas que vous mettez des câbles, ouais putain ouais, j'ai du mal. C'est juste que certains chasseurs agacés par exemple, ou alors je sais pas, peut-être que c'est des raisons complètement entre guillemets intelligibles, comme éviter que les gens viennent pendant la chasse et ne se prennent une balle, là ce serait intelligent, enfin à moitié parce que c'est quand même dangereux. Parmi ça il y a les gens qui en ont marre, donc que ce soit les chasseurs, les autres, tout ça, puis après j'ai aussi entendu dire, bon après je veux pas m'avancer, un peu tous les gardes forestiers, tout ça, ils commencent à tendre des câbles ou je sais pas quoi. Franchement les gars, faites gaffe. Surtout quand vous roulez en groupe, n'hésitez pas à prendre un peu de recul, parce que si votre pote se la prend, que vous, soit vous prenez votre pote, soit vous prenez le câble ou la ficelle, et ben c'est bête, ça fait deux au lieu d'un. Et en général c'est pas très bon. Donc il faut faire super gaffe. Après il y a aussi les ficelles entre guillemets un peu comme ça. Quelque chose de quand même costaud, hein, mais de pas câble. Et les ficelles pour les vaches, comme j'ai dit, pour diriger les troupeaux, ça peut être néanmoins dangereux, hein, faut pas se dire. Rien que imaginez votre réaction, vous arrivez, vous êtes un peu vite dans un virage ou quelque chose comme ça, et
il y a un câble qui est tendu, vous le voyez au dernier moment. Il suffit que vous freiniez trop de l'avant, que vous tentiez de vous arrêter un peu trop fort et que vous glissiez dans la panique. Il y a moyen de se casser un bras ou même pire. Après, il faut aussi rien de faire. Hein. Mais vous voyez que le premier danger, ce n'est pas forcément le câble. Enfin, à mon avis, il n'y a pas que le câble comme danger, il y a aussi votre réaction. Et même si vous voyez le câble, vous faites non, et vous prenez le fossé à côté ou le ravin, hein. Parce que je sais que ça peut arriver, hein. C'est pas de chance, mais ça peut très certainement arriver, surtout si c'est un petit peu pentu comme en Auvergne par exemple. Les ficelles aussi, c'est dangereux, même si c'est pas volontaire, que le paysan a oublié de l'enlever. Faites très attention parce que ça peut quand même soit vous retenir, soit ben justement, imaginez la ficelle. Ça m'est déjà arrivé avec des branches d'arbres, moi par exemple. Même si la ficelle lâche, si un petit nœud au bout, ça peut se coincer dans vos protège-mains. Par exemple ici, le petit nœud se coince comme ça. Et ça m'est déjà arrivé avec des branches d'arbres et ça m'a projeté à terre. Donc si vous êtes un peu vite, vous voyez que ça peut être très très dangereux. Même si vous pensez que ça passe ou que vous n'avez pas le temps de vous arrêter, franchement, je pense que ça peut faire très très mal. Donc, le maître mot, c'est anticiper. Aussi autre chose, il n'y a pas que les ficelles. Alors c'est surtout, ça concerne surtout les vélos mais aussi les motos. Il y a aussi certaines personnes qui commencent à mettre des planches de bois cloutées dans les chemins ou les bois, mais les bois, quand je parle des bois, c'est des chemins en sous-bois. Et ça c'est vraiment très très dangereux. Alors j'essaierai de vous trouver des photos. Ça c'est ultra dangereux, rien que si vous tombez dessus, c'est encore une fois pas de chance, mais il suffit de tomber dessus. Ou alors, par exemple, vous crevez, enfin le pneu explose entre guillemets, vous arrêtez, le pote qui arrive un peu vite derrière, il veut freiner, il tombe sur les clous, et ben, je peux vous dire que là ça peut être... C'est pas forcément vous, par malchance, tomber sur le clou, mais c'est la réaction que vous avez par rapport au clou, où ça vous fait vous arrêter. Votre pote qui est derrière, il glisse, paf, et là les gars c'est un truc de... Sans compter le fait que si vous êtes par exemple à 70 bornes de chez vous et que vous crevez à cause d'un gars qui a mis des clous par terre, je peux vous dire que vous allez être très très content parce que pour rentrer il va falloir appeler soit papa, soit maman, soit les copains. Comme j'ai dit, je ne roule pas vite, c'est tout simplement fait exprès pour que je puisse vous parler. Et qu'est-ce qu'il y a? J'y passe à 2 heures, gros. Peut-être qu'après en bas il y a un truc, mais... J'étais bien dans le fossé, j'étais pas méchant. Ma foi. Après peut-être qu'il y a un autre truc que j'ai vu, peut-être qu'il y avait marqué vache, hein, je sais pas. C'est une des premières fois que je vois un paysan qui est pas content. Hein. C'était même la deuxième fois, on va pas dire première parce que ça a déjà arrivé. Mais là je comprends pas. Alors ok, je suis pas arrêté, il y avait largement la place pour que je passe. Et de plus, je pense qu'on est d'accord pour dire que je me suis bien décalé et que ça a posé aucun souci, ça a gêné personne, ni lui ni moi. Donc peut-être qu'il était surpris, je ne sais pas. Il y a aussi un autre super gros danger, notamment, je pense que vous avez vu déjà des vidéos crash, d'enduro, motocross, tout ça. Et c'est quand vous roulez dans les chemins, faites toujours attention avant un virage à l'aveugle. Pareil, hein, c'est des trucs débiles. Mais ça peut arriver qu'il y ait des motos qui arrivent en face ou des quads, entre autres. D'ailleurs, je vous renvoie vers une vidéo mon ami, les amateurs de deux roues, et c'est un peu celui qui m'a donné envie de faire des vidéos, donc au passage un petit coucou à lui, qui avait fait une vidéo comme ça justement, où il croise, ou un collègue à lui, ou lui je sais plus, croise un peu vite, dans un virage à l'aveugle un petit peu, il me semble, ça fait longtemps que je n'ai pas eu la vidéo, un quad, et ça passe vraiment à ras, il me semble, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est amateurs de deux roues, la vidéo date un peu, ça vous remet les pendules à l'heure, hein. Oh, regardez comment c'est beau là-haut. Oh, c'est pas mal, hein. Alors on va se rendre là-haut et puis après je vous laisserai. Hop, je suis trompé. Vous voyez, à parler, comment ça te déconcentre, déjà rien que ça. Il y a toujours les gens qui sont violents eux-mêmes, par exemple vous les croisez, soit vous vous arrêtez pas, hein. Après si vous jouez au con, vous passez comme des marteaux, vous les aspergez de terre et tout, bon, là c'est pas très très sympa. Mais si vous passez tranquillou, il y en a qui peuvent quand même s'énerver. Et c'est vrai que ça peut vraiment, vraiment aller loin des fois. Enfin moi j'ai déjà vu des... Wow. Des gens qui sont tapés, pas de mes propres yeux, mais vous pouvez regarder sur internet un petit peu. Vous tapez Angry Guy ou Angry Forester Enduro, je pense que vous allez trouver assez facilement.
Mais ouais, il y a déjà des gars qui s'arrêtent, qui vous barrent la route et qui viennent pour vous taper parce que vous faites de la moto quoi. Après, si vous êtes sur son terrain, ok, vous êtes en tort, mais c'est pas, il a pas à vous taper. Quoi qu'il arrive, il a pas à vous taper. Ça, je pense qu'on est, on est bien d'accord. Je pense que le maître mot, c'est on est dans les chemins, les gars, mais faut faire très très attention. C'est pas parce qu'il y a moins de gens qu'il y en a pas. Bien sûr, je sais que vous le savez, on le sait tous. Mais des fois, on a un peu tendance à l'oublier quand on se tire la bourre, tout ça. Et ça peut très très mal finir. Donc, faut toujours être très prudent. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. De plus, bien s'équiper. Hein, parce que, comme j'ai dit, ça peut vous sauver ou en tout cas vous empêcher de vous faire beaucoup beaucoup plus mal. Plus mal en tout cas. Sûr, j'attends dans les commentaires votre avis si vous avez des sujets, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais surtout sur cette vidéo, j'aimerais votre avis sur ce que je viens de dire. Voir un petit peu ce que vous pensez. Et je pense que ça peut être bénéfique à tout le monde. Et si vous avez d'autres dangers aussi qui vous interpellent et que j'ai pas cité encore, n'hésitez pas à le marquer au commentaire si c'est pertinent et que c'est bien écrit. Hein, parce que si vous mettez wesh, t'es un bolos aussi, y a les voleurs de moto, voilà. Je vais pas l'épingler, mais si vous faites un joli petit truc pour expliquer le danger que j'ai pas cité, et ben je le mettrai en commentaire épinglé et je pense que ça peut être cool. À chaque fois celle-là, quand on est à deux, on se tire la bourre dessus, elle est bien sympa, moi je l'aime bien. Autre danger que je n'ai pas cité, les changements des chemins, hein, bien sûr, tout le monde le sait. Mais faire vraiment attention, par exemple, moi ça fait 3 mois que j'ai pas roulé là, c'est la première fois que je reprends. Donc j'y vais tranquillou, en plus on est en semaine, tout le monde est en cours sauf moi. Non, je rigole, j'ai pas cours du coup, voilà. Mais c'est un truc où il faut faire super gaffe. Vous voyez les marcheurs. Juste pour vous dire que tous les chemins qu'il y a autour de chez moi, ils sont complètement changés. Il y en a plein maintenant, c'est du gravier par terre. Il y en a d'autres, ils ont mis plein de pierres comme ça, mais que des pierres, des grosses pierres. Et je peux vous dire que ça les stabilise pas mal. Hein. C'est vraiment impressionnant. Bonjour. Vous voyez, il y a aussi des gens très sympas, ça c'est cool. Ils sont contents de vous voir. Même s'ils sourient pas, ils font un grand signe de la tête comme vous avez pu voir. Et moi, juste, ça fait plaisir, hein, qu'on soit aimable avec vous quand même. On va essayer de monter par là, hein, les gars. Ça peut être sympathique, je suis jamais passé. Du coup, on va essayer d'y monter. Allez. En diagonale. On va essayer de rien arracher, tout doucement. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je crois que j'ai pas abîmé le terrain, on est bon. C'est ça qui est jouissif aussi avec un gros de temps. Hop ! C'est pas violent en bas dans les tours. Et on se fait plaisir en haut. Voilà. On va arrêter le ventilo. J'espère que vous avez une belle petite vue. Même si il y a le grand angle qui fait pas très beau. J'aime toujours bien venir ici, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa, sympa. Il y a des éoliennes là-bas, vous pouvez pas les voir. Bon, bah écoutez, c'est un petit coin bien sympa. On va se laisser là. Sur ce, et ben écoutez, moi j'ai qu'une chose à vous dire. Faites-vous plaisir en moto. Faites attention dans les chemins, bien sûr. Et protégez-vous, et écoutez, ben... Gaz, comme je dis tout le temps.